Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 22 août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite philosophie de ce matin, l'insouciance, savoir s'amuser d'un rien et jouir de ces moments d'inconscience qui nous ramène si près de l'enfance. Tellement vrai, n'est-ce pas? Belle pensée pour ce matin. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé l'eau. Il y a un lâcher-prise et l'eau, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est tout ce qui est en relation avec les émotions. Voilà. L'eau. L'eau est un élément changeant. Elle coule et prend la forme du contenant dans lequel on la verse. Eh bien, pour certains d'entre vous, n'est-ce pas, le moment est venu de lâcher prise. Vraiment, il est grand temps et de vous abandonner au courant, le courant de l'eau. Laissez partir cette eau. Vous savez, résister à la tentation de forcer une situation ou une issue, eh bien, ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en laissant les événements s'enchaîner d'eux-mêmes, n'est-ce pas? N'essayez pas de forcer une situation. Il faut que cette situation viennent d'elles-mêmes. Il faut que cette issue à cette situation vienne d'elle-même. Restez souple et essayez de travailler avec ce qui se présente. Voilà, et l'eau, ben oui, l'eau, oh, sont les émotions qui sont exacerbées, n'est-ce pas? Il se peut que vous vous sentiez plus à fleur de peau pour le moment que d'habitude, mais ne cherchez pas à tempérer vos réactions ou à les refouler, parce qu'il est bon, bien, d'exprimer ce qu'on ressent et de ne pas les refouler. Laissez les sensations venir et puis, vous savez, vous allez accepter, vous allez prendre les sensations, et puis elles ne vont pas rester là, hein. Elles vont disparaître. Alors cette carte, elle parle aussi de se nourrir et se régénérer. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une période où vous ne mangez plus. Vous avez des difficultés, vous avez peut-être une addiction, un problème avec la nourriture, positif ou négatif, n'est-ce pas? Dû à l'émotivité, dû aux émotions exacerbées qui sont trop pleines, des émotions qui sont trop pleines. Vous êtes aussi peut-être dans une attente émotionnelle ou dans une demande émotionnelle. Et ça, c'est aussi une addiction, n'est-ce pas? C'est l'eau. Tout ce qui touche les émotions, c'est l'eau. Laissez partir cette eau. Suivez le courant. Oui, suivez le courant tout en prenant soin de vous. Et pourquoi pas surfer sur ces vagues et voyez où le flot vous mène, n'est-ce pas? Il y a peut-être un travail à faire sur une guérison personnelle et croissance émotionnelle. Peut-être que vous devez faire un travail sur vous, sur ce qui est, sur ce qui touche les émotions. Et n'essayez surtout pas de contrôler les résultats.
Restez souple et utilisez votre intuition, parce que votre intuition, elle est bonne. Alors pour vous nettoyer, eh bien, buvez beaucoup d'eau, buvez de l'eau, prenez des douches. Si vous êtes en vacances, eh bien, allez à la piscine, allez dans la mer. Mais c'est une carte en tous les cas qui touche les émotions. Et pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes très loin émotionnellement. Et là, on vous dit que il faut vous ressaisir, n'est-ce pas? Vraiment. Je sais, c'est pas facile. Hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais vous seul pouvez vous en sortir émotionnellement. Alors, si vous êtes dans une demande, si vous êtes dans une attente émotionnelle, lâchez prise, vraiment. Il faut vraiment lâcher prise. Parce que ça va pas vous amener des bonnes choses, tout ça. Voilà. Bon, pour ce qui est le petit oracle des couleurs, écoutez, lâcher prise, c'est une carte qu'il faut vraiment travailler sur soi. Et j'ai pigé noir. Donc, vous êtes vraiment émotionnellement très loin, hein, pour certains d'entre vous. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Voilà le message. La carte noire, c'est que vous êtes loin émotionnellement. Mais le positif, c'est « je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance ». Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse. Courage. Courage à toutes ces personnes à qui ce message aujourd'hui parlera. Je vous dis à demain.